Vous aurez peut-être reconnu l'air de la musique Mon Village ce matin. C'est qu'on va retourner dans nos souvenirs à l'été 2020. Le réalisateur Philippe Bellé s'était lancé dans un projet de fou avec l'ensemble musical Talisman. Et l'un des moments forts consistait, rappelez-vous, à transporter en hélicoptère un piano qui avait été peint par un artiste du quai des croisières de la baie pour aller rejoindre des chanteurs, des musiciens, des artistes à Cap-à-l'Ouest, tout près de la Croix. Les images avaient été captées et devaient faire partie d'un documentaire mais, on le sait, le destin en a décidé autrement pour Philippe Bellé et L'ensemble Talisman, en collaboration avec les films de l'abbé, ont décidé de rendre hommage au défunt cinéaste en achevant son œuvre. La première diffusion du documentaire Le Piano Volant aura lieu en grande première demain soir à 19h15, évidemment à l'abbé, à la brasserie et Port-Alfred. On reçoit l'un des réalisateurs de ce projet, Luc Beauchemin. Bonjour. Bonjour, Frédéric. On connaissait Luc Beauchemin, le musicien, mais Luc Beauchemin, le cinéaste, ça, c'est nouveau. Je suis juste de passage dans le domaine. <laughs> mais j'ai oui. un immense plaisir. C'est le troisième film en fait que je fais euh, je me suis mis à composer aussi la musique pour Philippe euh, pour sa web série, je n'étais pas compositeur par tout, mais Philippe pensait qu'un musicien c'était auteur, compositeur, interprète automatiquement, Ma musique ouais. classique ce n'est pas si évident donc à, à cause de lui j'ai fait pas mal de... ben, c'est mon style d'être touche à tout il si okay. faut dire, là. ça faisait même mon affaire mmh. alors quand il est parti en nous laissant des, des images spectaculaires euh, euh, bon, évidemment, sous le choc, tout ça, c'est resté un peu sur la tablette, ce projet-là. Puis, euh, je me suis dit qu'il faudrait bien qu'on le fasse, ce film-là. avec ses... On a mis tellement d'efforts pour euh, tourner ça. Euh... Donc, euh, je me suis pratiqué sur une coupe de projets au conservatoire. Le premier ça a assez bien marché. Euh, Télé-Québec l'ont mis sur la, la fabrique culturelle et tout ça. Puis, je me suis euh, formé un genre de petite équipe de cinéma, incluant évidemment éventuellement les films de là, la la maison mère de Philippe là, mmh. et de Stéphanie euh, Gagné. Parce que là, on part de cette image. Qu'est-ce qu qui, qu -ce qui, qu -ce qui existait sur pellicule, donc, outre les images mmh. du piano? C'est spectaculaire, on avait, les a vues. Il y avait le piano lui-même, qui, qui est une, très intéressant, qui a été euh, peint par euh, euh, Daniel Tetremblay, mmh. un artiste de Chicoutimi. Donc, euh, Philippe a tourné, disons, la conception du piano euh, aux ateliers Toutou. Ensuite, euh, il a suivi l'équipe lorsqu'on est monté au, sous le Cap à l'Ouest fameux 12 septembre 2020 pour donner un concert, dans le fond, à 160 mètres d'altitude. C'est derrière la Croix du Centenaire. C'est un petit peu plus haut que la Croix. Une dizaine de mètres mm -hmm. que la Croix. Et en direct, par Zoom, tant bien que mal, là, évidemment, par Zoom, avec un téléphone cellulaire là vous entendez bien que vous comprenez que ce n'est pas la, la grande qualité. Qui a été transmis en direct dans tous les CHSLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. On est retourné le 9 octobre. Je résume à mort là, le projet. Mais euh, pour ce qu'on ce qu appelle nous autres le show d'hélicoptère, où on a monter le, le, le piano pour tourner dans le fond avec euh, beaucoup de figurants, même des gens qui n'avaient jamais tou touché un, un instrument de leur vie. Euh, on faisait du lip sync là, sur Mon Village, justement, qu'on vient d'entendre de, mm. de Paul Davis, qui est la, la, la chanson fétiche de, 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 de Philippe, mm. qu'on entend dans sa web Parce que oui, ça occupe une place dans ce, dans ce court métrage, ça dure une douzaine de minutes, mais il y a également euh, ce rappel, parce que moi, en voyant les images, ça m'a replongé euh, il y a quatre ans, ouais. euh, cette référence au CHSLD, et il y a un aspect poétique aussi, qui a composé le texte. Qui est en narration. Laurent Aufray, c'est un, un collègue musicien français. Euh, J'étais, euh, je suis tombé sur ce texte-là. C'est un court extrait que j'ai choisi, là, que j'ai adapté, mais euh, c'est euh, un peu par hasard dans une salle d'attente à quelque part, et puis j'ai tapé. Euh, euh, les arts, euh, instinct de survie, parce que c'est un peu le thème du documentaire. Je tentais d'expliquer euh, au-delà des belles images euh, pourquoi on a fait ça. Mm. Jumper un piano à l'hélicoptère puis donner un concert comme ça, c'était un peu la dynamique d'un groupe d'artistes sous l'égide de l'ensemble Talisman à ce moment-là. Euh, on, on, on cherchait à faire des choses symboliques. On avait besoin de ça aussi. On capotait comme tout le monde, là, comme pas seulement dans, dans le domaine mm. des arts. Donc, c'est un peu une réaction d'instinct de création, de survie. Et je tombais un peu sur, par hasard sur ce texte-là que j'ai lu, j'ai relu et j'ai re-relu. Et puis je me disais, ben, il explique exactement euh, ce qui s'est passé dans nos têtes. Et puis je l'ai contacté. Et puis il nous a donné euh, tout à fait les droits. Là, Pourquoi, à votre avis, Luc Beauchemin, ça demeure une image aussi forte de voir un piano comme ça qui, qui est transporté dans les airs Un piano, c'est dans. Je dirais que ben, y a peut-être plusieurs aspects, mais un aspect qui m'a frappé, c'est que, évidemment, on, nous sommes un ensemble musical. Pourquoi un piano? On utilise rarement le piano, en fait, dans nos, dans nos concerts. Mm. Euh, c'est un symbole, euh, c'est rassembleur un piano. Euh, prenez par exemple dans une... Dans les maisons d'antan, on va dire. On ouais. est comme des vieux, là. Euh, dans les maisons d'antan, où les gens se réunissaient, puis c'est encore vrai, en fait, dans bien des cas, autour du piano. C'était vrai, d'ailleurs, chez Philippe lui-même, à Orvida, autour du piano, chez lui. Euh, euh, le, le piano euh, joue un rôle rassembleur on, dans les moments difficiles où on chante pour ce... ce, ce, ce comme un boom, dans le fond. Oui. On en, on en avait mm. besoin pendant la pandémie, disons. Mm. Et euh, lorsque vous avez donc retravaillé là-dessus, euh, avez-vous eu des échos justement de, de, de cette expérience, cette diffusion dans les CHSLD, dans les résidences? Est-ce qu'on vous en parle encore, Luc Beauchemin? On parle beaucoup de, euh, de, du piano hélicoptère, ça. Ça, ouais. ça a frappé beaucoup les gens. Euh, ça a été couvert coast to coast. Et les gens s'en souviennent. C'est surprenant. Je suis surpris. Ça fait quand même plus de trois ans. Mm. Euh, C'était fou. Je pense que les. Vous savez, il y a 160, je vous ai compté, 160 personnes au générique. <laughs> euh, c'est vrai euh, qu'il y a beaucoup de monde. Je voulais rendre hommage à la solidarité des gens dans la région, euh, ceux qui ont participé au projet. Je, puis après le décès de Philippe, je dirais qu'il y avait aussi euh, le, le désir de, de terminer ce film-là pour lui. Donc, c'est ça. Hmm. C'est quoi l'objectif maintenant? Il y aura une, une première demain. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire voyager? On a fait voyager un piano. Comment on va faire voyager maintenant ce congrès? <laughs> J'ai totalement de la difficulté à m'imaginer quelle réception il pourrait en avoir en dehors de la région, par exemple. C'est un film qui est très. qui est fait par les gens de la région, pour les gens de la région, qui est très sangnéen. Il ben, y a dirais. un message universel tout de même. Il y a un message universel, puis je me demande la façon. Euh, euh, tu as peut-être vu, il y a beaucoup de. de de, de, de inside, comme on dit mm -hmm. en bon polonais. Bon Il euh, y a beaucoup de choses euh, qui. Euh, je mélange beaucoup la réalité et la fiction. Mm -hmm. Il hein, y a une fausse émission de radio, par exemple, oui. justement, oui. qui utilise le. Terme de mon village. Avec... On a reproduit le film ce matin, <laughs> c'est vrai, <laughs> c'est drôle. Euh, avec deux anciens collègues ici. Ben, c'est ça, ça qu on, qu on a, a eu fois. Vraiment, un très grand plaisir à tourner mm -hmm. ce, cette petite émission de radio-là. C'était des retrouvailles aussi, mm -hmm. Jean-Pierre et, et José. Il y a beaucoup de références aussi. Vous avez appris qu'il y avait une station météo dans, dans le Clocher de l'église pour Alfred. <laughs> ouais. Personne ne le savait. Alors, on a inventé des choses, et clins d'œil au combat aussi, que Philippe euh, était très engagé dans le combat pour la survie de l'église pour Alfred. Donc, on rend hommage à tout ça. Donc. Hum. Mais quelle résonance, euh, c'est ça peut avoir à l'acteur de la région, moins évidemment. Mais on pourrait il y a quelque chose de présenter dans d'autres festivals de court métrage, est-ce qu'il pourrait donc euh, se promener euh... Ben, je, je, je le souhaite. On a tellement travaillé fort ouais. <laughs> pour le faire. Si ça peut toucher, en fait, hum. ce qui touche beaucoup les gens aussi, c'est la musique. Euh, les scènes, évidemment, euh, euh, du fjord, la BDA, la nature, euh, mais la musique... Euh, vous savez, la, 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 la pièce finale dans, dans le documentaire, Les Béatitudes de Vladimir Martinov, c'est une pièce qu'on a enregistrée sur disque en 2016. Puis depuis ce temps-là, je me dis, sans savoir que j'allais faire des films, là, je me dis c'est tellement cinématographique que je verrais des, des images euh, mmh. de la BDA en dessous de ça. En 2016, là, je l'avais dans la tête. Ouais. <laughs> c'est quoi la différence pour un artiste comme vous entre travailler donc pour un concert par exemple de, de musique et travailler sur un projet comme un court métrage donc en termes c'est des arts totalement différents euh, pour vous c'est quoi le défi que ça représente euh, en fait euh, c'est le cinéma c'est beaucoup de travail c'est fou les étapes tout ce qu'on mais c'est moins seulement. organique que, que, que la musique c'est un travail d'équipe en fait euh, par étapes mm. euh, en, mu en musique je suis habitué de travailler par exemple en orchestre ou en quatuor dans, dans le temps présent, là, pendant la répétition. Mais c'est une course à relais, en fait, en, ouais. en, 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 avec différentes personnes. Mais je, suis, je me suis rendu compte que, dans le fond, je suis un travailleur d'équipe. Je, 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 je suis toujours au moins deux, dans une équipe de deux. Je suis vraiment seul pour, pour, pour travailler. Et je me suis adjoint un, un, un co-réalisateur, Michel Boissonneau, qui est à peu près du même âge que moi, mais qui, qui était dans un tout autre domaine, vient de prendre sa retraite euh, comme juriste. Et puis, c'est un passionné de, de cinéma et on est très complémentaires. Mmh. Et puis, ça nous permet d'échanger quotidiennement, de faire avancer le film. J'aime beaucoup travailler à deux sur des projets. Alors, Luc Beauchemin, si on veut voir ce film demain, il y a une présentation à l'Abbé. Oui, à la, la brasserie. Chez Philippe. J'allais dire chez Philippe à la, oui. <laughs> dire, à dire, Philippe, bureau, à la brasserie, okay, ouais. mais il faut faire attention. Mm -hmm. euh, c'est pas ça que je voulais dire, à part Alfred, surtout. Euh, donc, la brasserie pour Alfred qui vient d'ouvrir, va nous accueillir. C'est très grand, Là, c'est l'ancien gagnant Et ceux euh... qui vont rater ça, qu est-ce est qu'il y a d'autres occasions On a mentionné tout à l'heure qu'on ne sait pas s'il y aura une deuxième vie, mais où est-ce qu'on est qu pourra le voir, ce documentaire? Ben, il y a des chanceux comme vous qui ont eu le lien avant. Mm -hmm. Mais euh, sinon, euh, je. je... Je veux absolument que ce soit représenté à nouveau dans la région parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir le voir. J'aimerais ça que tout le monde le voit en fait. Donc, on va trouver des façons de un le que Le culturel peut être impliqué de près ou de loin. Peut-être, oui, de... oui, ouais. oui. Jocelyn est très au courant, mais ouais. c'est, je trouve que ce film là, il est fait pour le grand écran à cause des paysages et de la musique. Vous avez raison. Donc, euh, c'est ça. Je, je le vois comme ça. On ne sait jamais peut-être les deux. L'équipe de regard, je sais qu'ils sont très occupés, mais on sait jamais des fois s'il y a un petit trou de 12 minutes là, pour voir. Ben, peut-être un jour, pas cette fois-là, ah. ils n'ont mm -hmm. ils ont, ils ont pas sauté sur le film, mais peut-être une autre fois. Luc Beauchemin, réalisateur de ce court métrage, Le Piano Volant, donc ça aura lieu demain soir à 19h15 à la Brasserie Port-Alfred. Merci pour cette visite en studio. Merci beaucoup, Frédéric. 8h46 minutes, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanc.